Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. En complément des nouveautés que j'ai déjà présentées pour l'année 2024, dans les vidéos précédentes, numéros 127, 128 et 129, les webinaires sur Zoom, les cours de méditation holographique, voici encore trois ateliers innovants, tous d'orientation extraterrestre, qui vous proposent de découvrir vos capacités humaines cachées ou oubliées et d'obtenir des informations indispensables pour communiquer avec nos voisins de l'espace. L'atelier numéro 1 est dédié au développement de nos capacités télépathiques innées et oubliées. Les lignées extraterrestres sont quasiment toutes hautement télépathiques. Certaines n'ont plus de système de communication traditionnel, à l'écrit ou à l'oral, voire quelquefois, ils n'ont même plus de cordes vocales. Développer la télépathie est donc l'une des clés cruciales pour communiquer avec eux. L'atelier de télépathie holographique a donc lieu tous les jeudis à 20h15, du jeudi 11 janvier au jeudi 28 mars 2024. Atelier 1, la présentation de mes contacts stellaires et leur télépathie. L'atelier 2, la différence entre la télépathie mentale et la télépathie holographique. L'atelier 3, la télépathie synthétique, son origine, son fonctionnement, ses cibles, ses objectifs. L'atelier numéro 4, comment créer sa bulle fréquentielle de protection. Atelier numéro 5, se préparer à la communication holographique. Donc ce sont des exercices pratiques. Atelier numéro 6, la claircognizance. L'atelier numéro 7, la clairvoyance. Le 8, la clairaudience. Le 9, la clairsentience. Le 10, la clairgustance et la clairalliance. 11, la précognition. Et 12, la lecture d'aura. Ce sont des ateliers proposant une partie succincte théorique et beaucoup de pratiques. L'atelier numéro 2 est un atelier d'exploration spirituelle régressive qui aura lieu tous les jeudis à 20h15 du 11 avril au 27 juin. Dans l'atelier numéro 1, je présenterai mon travail d'exploration régressive grâce aux techniques du moine de forêt. L'atelier numéro 2, l'exploration spirituelle régressive, une vue d'ensemble, les principes de base et l'utilité. L'atelier numéro 3, comprendre le subconscient. L'atelier numéro 4, l'induction de la régression, les techniques pour induire l'état alpha ou theta de méditation de relaxation progressive ou de concentration. L'atelier numéro 5, l'exploration des vies passées par un premier exercice. Atelier numéro 6, deuxième exercice d'exploration des vies passées. Atelier numéro 7, exercice 3, exploration des vies passées avec l'exploration de votre enfance jusqu'à votre naissance. Atelier numéro 8, exercice 4, traverser le voile et revenir à votre vie intra-utérine pour déboucher sur votre dernière vie antérieure. L'atelier numéro 9, l'interprétation des symboles et des métaphores qui apparaissent pendant une exploration régressive. L'atelier numéro 10, la gestion des blocages et des résistances. L'atelier numéro 11, l'intégration de ces explorations et la guérison. L'atelier numéro 12, nous verrons quelques études de cas. Le troisième atelier concerne des informations ultra-sensibles extraterrestres. Il aura lieu tous les lundis à 20h15 du 5 février au 29 juillet 2024. En février, nous verrons les mystères des ondes et fréquences. Le 5 février, les épandages chimiques, les chemtrails, qu'est-ce que c'est? Quel est leur impact sur la santé des populations? Le 12 février, les ondes, l'impact sur la santé des ondes radio, électromagnétiques ou millimétriques.
Comment les extraterrestres gèrent-ils les bandes de fréquence? Utilisent-ils des bandes spécifiques non impactantes pour leur santé ou d'autres systèmes technologiques? Le 19 février, l'énergie libre, l'humanité transitera-t-elle vers des outils plus économiques et moins polluants? Et le 26 février, les medbeds ou les capsules holographiques de stase, les medbeds sur Terre, une version pour une planète du quart-monde? Au mois de mars, nous verrons l'éclairage que donnent les extraterrestres sur les mystères non encore élucidés. Par exemple, le 4 mars, le triangle des Bermudes, le 11 mars, le Titanic, le 18 mars, l'Antarctique, le 25 mars, le Vietnam. Au mois d'avril, nous verrons les grands secrets américains. Le 1er avril, il n'y aura pas d'atelier. Le 8 avril, nous reverrons Roswell. Le 15 avril, Montauk et le Philadelphie. Le 22 avril, l'opération Oiseau Moqueur. Le 29 avril, Dulcy. Au mois de mai, nous aborderons le mystère des ruines mégalithiques. Le 6 mai, les ruines construites avec des pierres de 50 tonnes et des jointures millimétrées que l'on trouve en Europe, au Mexique, au Pérou, en Bolivie, en Éthiopie, en Égypte, en Iran, en Chine, au Japon et en Inde et bien d'autres pays. Comment les extraterrestres s'y prennent-ils pour construire des bâtiments gigantesques avec une telle précision? Le 13 mai, Gangtija, les temples mégalithiques à Malte. Le 20 mai, Göbekli Tepe, et le 27 mai, Longyou en Chine. Au mois de juin, nous verrons les mystères enfouis de la mémoire cellulaire. Le 3 juin, Cocknoe en Écosse, au Michigan, le Stonehenge au fond du lac. Le 17 juin, Saumur d'origine extraterrestre, et la tradition druidique en France. Et le 24 juin, en Ohio, le tumulus du Grand Serpent. Et finalement, au mois de juillet 2024, le mystère des vaisseaux disparus ou perdus. Le 1er juillet, un avion avec 300 passagers à bord. Comment font les extraterrestres pour les extraire ou les abducter? Le 8 juillet, le Falcon Millennium au fond de la mer Baltique. Le 15 juillet, le chevalier noir. Le 22 juillet, le double cigare qui était programmé pour revenir vers la Lémurie. Pour vous inscrire à l'un ou l'autre atelier, il vous suffit de vous rendre dans ma boutique sur https://inversé-teamspacenews.boutique et de cliquer sur l'onglet atelier, puis ensuite sur l'atelier qui vous intéresse. Voilà, j'espère vous accueillir nombreuses et nombreux à ces ateliers qui risquent d'être extrêmement innovants et intéressants, avec des informations que vous ne connaissez pas encore et que je n'ai jamais partagées auparavant. En attendant, portez-vous bien.